Dans cette formation, nous allons nous attaquer au monstre aux yeux verts. C'est quoi ce monstre aux yeux verts? Ben, c'est ce que l'on trouve dans la bouche d'Othello, donc de Shakespeare, pour désigner la jalousie. Et la jalousie, effectivement, c'est un monstre dans le sens où ça peut embêter pas mal de personnes. Le but de cette formation, c'est d'apprivoiser le monstre aux yeux verts, donc la jalousie. D'abord, la connaître et évidemment, essayer de pouvoir se débarrasser ou en tout cas atténuer la morsure de la jalousie. À qui ça s'adresse? Ben, aux victimes de la jalousie. Et il y a deux types de victimes de la jalousie. Il y a ceux qui abritent la jalousie, c'est-à-dire qui sont jaloux. Et il y a ceux qui subissent la jalousie, c'est-à-dire ceux qui sont en relation avec un partenaire, une partenaire qui est jaloux. Le but de ce travail est donc de pouvoir comprendre les mécanismes de la jalousie et de pouvoir les dépasser. Tout ceci montre que nous sommes dans une société qui est relativement tolérante vis-à-vis de la jalousie. Ce qui explique aussi que rares sont les personnes qui ont cette envie de travailler sur leur propre sentiment de jalousie. Du moment où on considère que c'est acceptable, on n'imagine pas forcément qu'il y a une bonne raison à faire ce travail. Et pourtant, ça peut dépasser un certain degré avec des comportements violents à la clé qui peuvent pourrir des relations affectives. Et dans ce cas-là, alors il y aura une prise de conscience qui amènera certaines personnes à vouloir travailler sur leur sentiment de jalousie. On peut donc se poser cette question, qu'est-ce qui peut nous amener personnellement à vouloir devenir moins jaloux? Alors quand on pose cette question aux personnes qui font une démarche, les réponses les plus fréquentes sont les suivantes. Bah, premièrement, pour moins souffrir. Hein, la jalousie fait souffrir. Moi, j'en souffre si je suis jaloux, mais en plus de ça, je fais souffrir mon partenaire amoureux qui doit subir ceci. Donc, j'ai envie de travailler sur ma jalousie pour qu'il y ait moins de souffrance. Deuxième réponse, j'ai envie de travailler sur ma jalousie pour vivre des relations plus agréables, pour que ce soit plus détendu, plus plaisant, plus épanouissant. Je peux bien sûr vouloir travailler sur mes sentiments de jalousie, même si pour moi ça ne fait pas de problème, je me rends bien compte que ça en fait pour mon partenaire amoureux. Donc je vais parfois inviter par cette personne, parfois poussé par cette personne, faire en sorte de lui pourrir un peu moins la vie, de moins lui empoisonner la vie. Un autre type de réponse, c'est bien évidemment que je peux avoir envie de travailler sur ma jalousie pour éviter que la relation ne se dégrade au point que l'autre ait envie de me quitter. Si effectivement la raison de la jalousie, c'est à l'origine de préserver l'exclusivité amoureuse, on se rend bien compte qu'au final, trop de jalousie va tuer la relation amoureuse. Autrement dit, la personne va s'en aller et on aura plus qu'assez de tous ces comportements de violence que je vais mettre en place à son encontre. Donc, je peux avoir cette envie de diminuer mes sentiments de jalousie simplement pour vivre mieux, pour être plus épanoui et pour avoir une relation qui soit elle-même plus épanouissante.